ECL 4.0, c'est le nouveau grand projet de l'École centrale de Lyon pour le renouveau du campus. Notre ambition, accompagner la recherche, gagner en visibilité, booster la créativité et l'innovation au service du monde socio-économique. Nous lançons une grande levée de fonds avec le soutien de notre comité de campagne composé de 10 personnalités diplômées de l'école. Jacques Meynier, diplômé en 1977, président directeur général d'Hutchinson. Alors l'ingénieur est le point de passage obligé pour la sauvegarde du monde de demain. C'est l'ingénieur qui réduira l'empreinte carbone, c'est l'ingénieur qui, au travers de ses conceptions d'équipements et de produits, réduira la consommation d'énergie, c'est l'ingénieur qui, au travers de ses études sur les matériaux, apportera toutes les solutions dont le monde a besoin. Le métier d'ingénieur a un très bel avenir devant lui. Alors ce qui est extrêmement intéressant et original à l'École centrale de Lyon, c'est tout d'abord son aspect généraliste. C'est extrêmement important. Et ensuite, c'est sa passion pour transmettre et communiquer un certain amour de la technologie et au-delà de l'amour de la technologie, une certaine compréhension de la chose technique, compréhension au travers d'un langage, au travers de connaissances qui vont nous permettre à chacun et vous, en particulier à chacun d'entre vous, qui vont nous permettre de mieux comprendre et de mieux appréhender les problématiques techniques de demain. C'est premièrement la formation. C'est la raison numéro un pour laquelle nous sommes tous passés par ici, c'est de nous former aux matières techniques. La deuxième chose importante, qui est une opportunité que nous devons tous saisir, c'est la possibilité de s'ouvrir sur d'autres choses que ce qu'on nous enseigne tous les jours. Et donc l'école, de ce point de vue-là, est extrêmement ouverte. Elle est placée d'un point de vue géographique, une position stratégique en Europe. Et nous pouvons nous ouvrir à beaucoup d'autres choses que les matières pour lesquelles nous sommes ici. Et puis le dernier point, eh bien, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est la construction d'un réseau. N'oublions pas que nous sommes ici pour 3 ans et que pendant ces 3 années, eh bien, nous nous faisons des relations à la fois internes à l'école, mais également externes. Et c'est ce réseau qui nous aidera demain, tout au long de notre carrière, à nous développer. Comme vous le savez, l'école est engagée dans un challenge extrêmement important pour elle. Le tarissement à terme des financements publics doit nous obliger, doit nous pousser à trouver d'autres formes de financement. La première de ces formes de financement, eh bien, ce sont les anciens élèves. Merci.